concours qui est difficile par le thème et par les documents que nous allons vous présenter. Vous nous en excuserez. Alors, d'une part, le thème est dur et d'autre part, les documents que nous avons ne sont pas tous de bonne qualité. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, M. Stéphane Hessel, qui va diriger les débats. M. Stéphane Hessel est né à Berlin et il est venu en 1927 en France où il a fait ses études. Il est normalien. Dès 1940, il a rejoint l'Angleterre, il a rejoint le général de Gaulle et il a été chargé d'organiser la mission Gréco, qui était une mission de renseignement, enfin de couverture radio pour l'ensemble du territoire français en vue du débarquement. Il a été arrêté en juillet 44 et déporté à Buchenwald, puis à Dachau. À Dora. En 46, un an après sa libération, il est arrivé à New York, et en 47, il a été le premier directeur de cabinet du secrétaire général adjoint de l'ONU, qui était un Français. Et à ce titre, il a assisté aux négociations qui ont abouti à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, M. Hessel a milité toute sa vie sur plusieurs continents pour la défense des droits de la personne humaine. Il a été nommé ambassadeur en 1981 et il est commandeur de la Légion d'honneur. M. Charles Palan, d'une famille polonaise, a milité très jeune contre le fascisme et le nazisme. Arrêté comme résistant, il est cependant déporté en tant que juif avec sa mère et sa sœur. Il est déporté à Auschwitz et il en revient seul. Dès 1949, il fait partie des fondateurs du MRAP, c'est-à-dire le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour l'amitié entre les peuples, dont il sera le secrétaire général pendant 25 ans. Il est actuellement vice-président de l'Amicale d'Auschwitz et il est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Monsieur Jean-Serge Lorac a été déporté à 4 ans avec sa mère à Bergen-Belsen. Sa mère était Madame Denise Lorac. Ils en reviennent tous les deux. Et sa mère, au retour, a créé le plus important musée de la résistance et de la déportation qui est à Besançon. Lui est devenu avocat. Il est l'avocat de la LICRA et il a plaidé dans plusieurs procès contre les négationnistes. Et au procès Papon, il a représenté la Fondation pour la mémoire de la déportation. Monsieur Jacques-Élie Picard, résistant, a été arrêté à 23 ans en 1944. Est déporté d'abord au Struthof, puis à Dachau. Revenu, il a fait des études de physique, il était chercheur et il est devenu professeur des universités. Actuellement, il est vice-président des combattants volontaires de la résistance de Paris. Non, il est président, pardon, des combattants volontaires de Paris et il est vice-président du comité d'action de la résistance. Monsieur Jean-Marie Delabre s'est engagé très jeune, encore au lycée Louis-le-Grand, dans les volontaires de la liberté qui ont rejoint le mouvement Défense de la France. Il a été arrêté en juillet 1943, il a passé 6 mois à Fresnes et il a été déporté à Buchenwald et à Mauthausen. Libéré le 5 mai, il est revenu 15 jours plus tard, il a été rapatrié 15 jours plus tard. Il s'occupe depuis la libération du mouvement des anciens de défense de la France et d'associations caritatives. La séance va se dérouler en 2 parties. Nous allons d'abord vous présenter 2 documents. L'un qui est extrêmement important à notre sens parce que c'est un film qui a été tourné à la libération de Bergen-Belsen, mais vous verrez dans l'introduction qu'en fait Madame Veil qu'il pose déjà plusieurs problèmes. On pressentait déjà que de telles atrocités qui étaient incroyables quand on a ouvert les camps, de telles atrocités ne seraient pas crues et seraient un jour niées. Et ce film, il y a un deuxième point, c'est que ce film a été interdit pendant 40 ans. Le film a été fait par un réalisateur anglais qui est Sidney Bernstein qui avait appelé Hitchcock pour l'aider. Le film est sorti en 88 et donc il est présenté par Simone Veil. Ensuite, vous verrez un document également, excusez-nous, de mauvaise qualité sur le camp de Dachau. Et les témoins vont pouvoir vous parler des camps, vous pourrez leur poser des questions et dans une deuxième partie, vous aurez 3 extraits de procès. Merci. Merci beaucoup, chère Nicole Dora. Et d'abord, vous êtes vous très jeune, alors que derrière la tribune, à part Nicole Dora, qui est une jumancelle, nous sommes tous très vieux. Mais étant vieux,
nous avons vécu une période de l'histoire de la France, de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'Allemagne, qui doit rester dans les mémoires, et le concours de la résistance et de la déportation vous propose cette année un sujet particulièrement important par ses répercussions au cours des 60 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'une part de mieux comprendre ce qu'étaient les camps de déportation et notamment ceux qui étaient la suite d'un véritable génocide, c'est-à-dire de la destruction systématique des Juifs d'Europe. Ce sont les camps d'extermination et vous allez en voir des images. Il y a aussi d'autres camps dont certains ont été très rudes, comme ceux de Dora, de Buchenwald, de Dachau et d'autres. Le concours vous demande non seulement de comprendre et de connaître les horreurs qui ont été infligées aux déportés, mais aussi de réfléchir à ce que cela signifie pour nous. Encore aujourd'hui, le fait que l'histoire de ces camps ait été occultée assez longuement après la guerre fait qu'il y a des gens assez fous pour prétendre que ça n'a pas existé. Nous les appelons les négationnistes, c'est-à-dire ceux qui nient l'existence de ces atrocités alors que l'histoire les a prouvées. Votre concours, par conséquent, vous oblige à avoir un regard de jeune sur quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais aussi de réfléchir aux raisons pour lesquelles cette histoire a été mal connue pendant la guerre et même un peu après la guerre, et les raisons pour lesquelles maintenant cette aventure exceptionnelle et atroce doit nous servir de mise en garde contre tout ce qui pourrait ressusciter d'une manière ou d'une autre le type de crime et d'horreur que ceux qui sont ici derrière la tribune ont vécu. Je vais maintenant proposer que l'on projette le premier film, La mémoire meurtrie. Un intérêt tout à fait extraordinaire, plus de 40 ans après. Bien sûr, les images vont bouleverser beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu les films qui ont été tournés juste au moment de la libération des camps ou même les séquences d'actualité que les nazis eux-mêmes avaient filmées. Je désirais filmer tous les notables et les principales autorités municipales du voisinage assistant à l'enfouissement de ces pauvres victimes. Car je supposais justement que la plupart des gens auraient nié que cela s'était passé. Most people would deny that it happened. Je vais passer la parole à Jean-Serge Aurac, qui a donc été déporté à 4 ans à Bergen et qui va vous parler de la libération et d'autres choses. Oui, mes chers amis, il est difficile d'intervenir après un film aussi complet, aussi douloureux, qui est un témoignage parfait de l'inhumanité du nazisme et de ce qu'il a réalisé pendant ces années. Je suis néanmoins heureux d'être ici aujourd'hui avec vous et entouré de résistants ayant participé au prix de leur sang avec des alliés à l'écrasement de cette Allemagne nazie. Mes souvenirs sont modestes. Je n'avais en effet que 4 ans et demi quand un représentant de la gendarmerie française, aux ordres du gouvernement Félon de Pétain et de Vichy, où nous arrêtaient ma mère et moi, et mon grand-père, à Saint-Honoré-les-Bains, où nous étions réfugiés, pendant que mon père croupissait en sa qualité d'officier français prisonnier de guerre dans une forteresse allemande.
Je me souviens donc de la voiture qui roule dans la nuit après notre arrestation, puis du camp de Drancy, puis encore d'un train qui roule vers l'Allemagne. Quant au camp lui-même, Bergen-Belsen, dont vous avez vu quelques images, il ne me reste quant à moi que peu de choses. Un univers froid, triste, figé, sans couleur, en un mot gris, où les barbelés représentaient une frontière infranchissable vers le monde extérieur, vers la liberté. Souvenir aussi de la faim qui taraude, de la peur de voir sa mère battue par des hommes, comme vous avez vu, grands, gros, gras, méchants, les capots et les SS. Souvenir encore d'un petit garçon et d'une petite fille qui jouaient de l'autre côté des barbelés. C'était sans doute à Drancy. Et impression d'injustice profonde, je ne pouvais aller les rejoindre, eux ils étaient libres et moi pas. Souvenir toujours d'avions lançant au-dessus du camp de Bergen-Belsen des papillons argentés, sans doute pour tromper la défense aérienne ennemie, qui me semblait de magnifiques jouets, les seuls que je pouvais avoir, prometteurs d'un monde débarrassé de la haine et enfin libéré. Et puis, retour, cahoté des jours durant, sur les lignes des voies ferrées allemandes, dans des wagons à bestiaux, sans nourriture, sous le flot croupi des mares où gisaient parfois des cadavres, et quelques légumes crus arrachés dans les champs ennemis. Souvenir toujours de villes allemandes traversées et retraversées, dans un sens, puis dans l'autre, flambant sous les bombardements des nazis qui voulaient nous amener dans un réduit où ils pourraient nous échanger, nous garder en otage et en somme se servir comme nous de monnaie d'échange. Souvenir encore du train, brutalement arrêté par les Cosaques à cheval, c'était l'armée rouge, près du village de Trobitz, qui servira plus tard de ligne de débarcation entre la frontière des pays laissés à l'Union soviétique et ceux qui pourront bénéficier de l'aide américaine et du plan Marshall, ce qui les maintiendra dans la démocratie et les amènera à un redressement économique plus rapide. Puis, retour dans les camions américains non bâchés depuis le printemps 1945 jusqu'à Strasbourg et en train encore dans de meilleures conditions jusqu'à Paris au Lutetia où je retrouvais un père oublié et inconnu mais pas un grand-père attentif et bienveillant disparu dans la nuit et le brouillard du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau. En fait, j'ai survécu par toute une série de chances successives. Tout d'abord, cela vous a été rappelé, Bergen-Belsen n'était pas un camp d'extermination, mais un camp considéré par les nazis à l'origine comme un camp d'otages. Même si l'on pouvait y mourir de faim, à raison d'une nourriture tout à fait insuffisante, on n'y pratiquait pas l'extermination systématique, comme à Auschwitz-Birkenau, à Sobibor, à Majdanek, à Treblinka et à Belzec. Certes, par la suite, quand les nazis, devant l'avance des troupes soviétiques, qui ont rapatrié des dizaines de milliers de déportés, Bergen-Belsen est devenu un véritable mouroir, dont par miracle encore ici, nous avons été évacués. En effet, c'est Eichmann en personne qui est venu lui-même superviser l'opération au camp, en constituant deux trains composés chacun de 1000 personnes, avec mission de les faire disparaître s'ils ne pouvaient pas parvenir à destination. Il n'y a eu aucun survivant dans l'autre train, qu'on a sans doute fait disparaître sur un pont. Vous comprendrez pourquoi, aujourd'hui, on m'a demandé de dire quelques mots sur le négationnisme. Vous comprendrez pourquoi, aujourd'hui, le négationnisme est intolérable et fait l'objet de lois pénales qui ne sont absolument pas attentatoires à la liberté de penser, qui le répriment. C'est la loi Guesson. Le négationnisme a en effet pour but de réhabiliter le nazisme en faisant croire, ainsi que Robert Forisson le déclarait sur Europe numéro 1 décembre 1980, je le cite, les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand et le peuple palestinien tout entier. Les chiffres sont pourtant irréfutables et éloquents. Sur 63 000 déportés pour des motifs de résistance ou pour des motifs d'autres, on déportait également des gens qui avaient fait du marché noir, donc déportés pour droit commun. Eh bien, 59% sont revenus vivants des camps.
tandis que sur les 75 721 juifs de France déportés dans les camps d'extermination de l'Est, 3% seulement sont revenus, soit moins de 2500. Cette différence ne peut pas s'expliquer sans une volonté d'extermination systématique, dont la conférence de Wannsee, qui s'est tenue près de Berlin le 20 janvier 1942, est l'expression, puisque c'est là qu'a été décidé d'appliquer au peuple juif la solution finale, c'est-à-dire d'exterminer tous ceux qui tomberaient sous la coupe de Hitler. Merci, monsieur Lorac, mais j'avoue tout de suite que je vois un court film sur Dachau, après lequel nous pourrons entendre une intervention de quelqu'un qui y est passé. Merci. Je voulais encore m'excuser pour la qualité des documents. Il faut savoir aussi que Dachau a été un des premiers camps avec Orianenburg à être créé en Allemagne pour les opposants au régime. Il avait déjà été photographié par Madame Vaillant-Couturier, dont je vous reparlerai plus tard, en 1933. Et essentiellement, il abritait jusqu'en 1939 des opposants. Berlin, 30 janvier 1933. Une recette au jour mieux organisée, Hitler et son état policier renforcent la terreur. Le grand maître de la propagande, Josef Goebbels, multiplie ses attaques haineuses contre les Juifs. Mais trop peu de gens prennent ces menaces vraiment au sérieux. Je suis très heureux maintenant, après ce film qui, je pense, vous a beaucoup impressionné, de donner la parole à mon voisin, M. Picard, qui, lui, y a été. M. Picard, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bon, je vous salue tous, jeunes gens, parce que j'étais, c'est-à-dire un membre d'enseignement, et donc j'apprécie beaucoup votre présence en ces circonstances, de manière à mieux connaître ce que nous avons vécu les uns et les autres. Je voudrais simplement m'appesantir un peu sur le film, en disant que certains éléments ne sont pas les mêmes que ceux que j'ai perçus. À savoir, en particulier, ce qui a été dit, les gens de Dachau, du village de Dachau, n'auraient pas su ce qui se passait. On les a obligés, les Américains, à venir voir, au moment du 29 avril, la libération du camp, ce qui était. Alors là, personnellement, je m'élève contre cette assertion, parce que lorsque nous sortions du camp pour aller dans les commandos qui étaient aux environs de ce camp, il nous arrivait de traverser assez souvent la ville de Dachau, le village, enfin une petite ville de Dachau, et nous étions, comment dirais-je, abreuvés d'injures et de pierres par les enfants et les adultes, qui voyaient passer des gens qui pesaient dans les 40 kilos maximum, avec des SS et des chiens autour d'eux. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que les Allemands n'étaient pas au courant, qu'il n'y avait que des nazis qui étaient coupables. Je pense que tous les Allemands savaient plus ou moins, peut-être fermaient-ils leurs yeux, bougeaient-ils leurs oreilles, mais néanmoins, c'est difficile de dire qu'ils n'étaient pas au courant. Voilà, c'est une des remarques importantes que je voulais faire sur ce film. Quant au reste, je crois qu'il est intéressant de penser qu'en effet, dès 1933, Hitler a décidé de créer le camp de concentration. Vous avez vu en effet l'annonce de cette création. Hitler prend le pouvoir le 30 janvier 1933 et le 22 mars, moins de 2 mois après, il y avait un camp de concentration. Et dans le mois d'avril, la personne qui s'est occupée personnellement
de ce camp et de ses modifications est une personne dont vous connaissez bien le nom, qui s'appelle Himmler, et qui a été la personne qui a en fait organisé tous les autres camps de concentration sur le modèle du camp de Dachau. Je dirais quoi de plus? Vous avez vu un peu le spectacle qui a été devant nos yeux pendant de nombreuses années. Je dirais simplement, en effet, pour rectifier aussi un peu un chiffre, que en décembre 1944, étant étudiant, j'ai été chargé d'être brancardier et d'emmener des camarades typhiques dans une baraque qu'on appelait le Revire, en fait une sorte d'infirmerie qui n'était pas autre chose vraiment qu'un mouroir. Après avoir fait ça pendant un certain nombre de semaines, j'ai pris le typhus moi aussi et j'ai eu le typhus. Et je suis donc allé au Revire. J'ai eu la chance, parce que j'en suis sorti puisque je suis là aujourd'hui. Mais cela étant dit, probablement je pensais m'en sortir parce que je voulais m'en sortir, je ne voulais pas rester là-bas. Et en plus, le souvenir de mes parents m'a beaucoup aidé, en particulier, je les remerciais de m'avoir donné une constitution assez solide pour pouvoir surmonter cette épreuve. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment, je pense que c'est suffisant. Tout à l'heure, je répondrai à vos questions si vous souhaitez. On se réjouit, cher Picard, de vous avoir avec nous. Et c'est vrai qu'il fallait avoir une constitution robuste. Il y a d'autres camps. Nous allons parler un moment du camp de Mauthausen. Et je vais demander à M. Delarbre de nous dire quels sont ses souvenirs de ce camp-là. Je suis très content d'être devant vous. Avant de parler du camp de Mauthausen, je voudrais dire une chose générale. C'est que j'avais 18 ans quand j'ai été arrêté. Je faisais partie de ces jeunes qui ne furent pas des héros, mais simplement des jeunes qui n'acceptaient pas ce qui se passait et qui agissaient au nom du refus de l'inacceptable. Et je tiens surtout à dire devant des jeunes que ce refus de l'inacceptable, c'est quelque chose qui est particulièrement fort dans les jeunes, et c'est aux jeunes, si vous voulez, de donner un avenir meilleur à l'humanité grâce à cette possibilité qu'ils ont d'agir. Bon. Mauthausen était un camp en Autriche. Du fait que c'était en Autriche, ce camp a été installé par les Allemands en 1938. Ce camp a été pendant des années, si vous voulez, un camp d'opposants au régime. Et ensuite, si vous voulez, au fur et à mesure que les Allemands occupaient l'Europe, de prendre les gens, les différentes personnes qui s'opposaient à eux. En même temps, comme beaucoup de camps, ils vidaient un certain nombre de prisons et les amenaient dans les camps. Ce qui fait que les camps comportaient des résistants, mais aussi des gens qui avaient été arrêtés ou qui avaient été dans des prisons, on ne sait pas très bien, on ne savait pas toujours. Mais il y avait une particularité à Mauthausen, c'est qu'il y avait en plus une grande quantité d'Espagnols. Ces Espagnols étaient des Espagnols républicains qui, lors de la fin de la guerre d'Espagne, avaient passé la frontière française et se trouvaient dans des camps en France. Ils avaient été, certains plus ou moins, engagés dans des compagnies de travailleurs au moment de la guerre, et les Allemands les ont ramassés et considérés comme des prisonniers politiques. Dans les prisonniers politiques, il y avait aussi une très grande particularité. Au Revire, M. Picard vous a expliqué ce qu'était le Revire, il y avait aussi de nombreux Russes. Et des Russes, des soldats russes asiatiques qui étaient presque tous des mutilés de guerre. Leur présence là ne m'a jamais été expliquée. Mauthausen, ensuite, étant donné sa position en Autriche, assez près de Vienne, est devenu le lieu où ont été évacués de nombreux autres camps. Car, chose qu'on ne peut pas ignorer,
parce qu'elle a été extrêmement pénible pour les prisonniers. Les camps ont été évacués au fur et à mesure de l'avancée des troupes, lorsque les Allemands n'ont pas été surpris. Et il semblait, si vous voulez, que les Allemands ne voulaient pas laisser la trace des gens, je ne sais pas exactement pourquoi, et à Mauthausen sont arrivées de nombreuses personnes, et à ce moment-là, la population du camp a quelque peu changé, et c'est à cette époque qu'il y a eu certainement, d'après l'histoire, la suppression volontaire de nombreuses personnes. Le camp de Mauthausen avait de nombreux commandos, et c'était des camps annexes dans lesquels on travaillait pour les différentes usines. Et le camp de Mauthausen a été probablement le dernier libéré, puisqu'il a été libéré simplement le 5 mai 1945, si vous vous souvenez du point de vue des dates, que l'armistice qui a été la fin des combats était le 8 mai, il est évident qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux. Monsieur Pallant, cher ami, vous avez 10 minutes pour nous parler d'Auschwitz. C'est peu, mais je suis sûr qu'en 10 minutes, vous nous direz l'essentiel. Monsieur Pallant, vous avez la parole. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais essayer en 10 minutes de résumer 60 années de réflexion, mais j'y suis prêt. Mes chers amis, il y a deux choses que je voudrais dire d'entrée. Les événements dont nous parlons ce matin, nous les avons vécus alors que nous étions des jeunes comme vous, à un ou deux ans près. Par conséquent, je vous supplie, faites l'effort de ne pas voir les quelques vieillards qui sont derrière cette table. Essayez de nous imaginer comment et dans quelles circonstances nous avons vécu ces événements-là, alors que nous étions quelques-uns des lycéens, la plupart déjà des ouvriers, parce qu'à l'époque, il y avait 50 000 étudiants en France et qu'aujourd'hui, il y en a plus de 2 millions. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que ces jours derniers, nous vivons, nous sommes les témoins à la télévision d'un séisme épouvantable qui nous brise le cœur et qui a suscité des mouvements de générosité qui parfois nous réconcilient avec l'espèce humaine. Le séisme nazi n'a pas comme le séisme asiatique duré une heure. Il a duré 12 ans sur l'Allemagne, 5 ans, près de 5 ans sur notre pays, plus de 5 ans sur les pays de l'Est européen. Par conséquent, 5 ans, c'est beaucoup. Quand le gouvernement de Vichy, que dirigeait un maréchal de France qui avait été couvert de gloire, se met en place et qu'à peine 3 mois après, il brise l'unité nationale en excluant de la communauté nationale la catégorie de citoyens catalogués comme juifs, en même temps, on renie tout l'héritage de la Révolution française, tout l'héritage de la République française. Il n'y a plus de laïcité, il n'y a plus de liberté d'expression, il n'y a plus de liberté d'association. Ça veut dire que c'est un pays brisé mais non soumis qui va vivre ses épreuves, parmi lesquelles la mise hors la loi des Juifs et la déportation des Juifs est un des aspects sûrement le plus tragique qu'a connu cette époque, mais il faut vivre les choses dans leur contexte. Rien n'est pire que de s'exclure du contexte historique pour s'enfermer dans son propre martyr. Notre martyr n'a de sens que s'il est situé, que si nous le situons sans cesse. Et bien sûr, il faut identifier les victimes avec la spécificité de leur souffrance,
Bien sûr qu'il faut rappeler que le génocide visait les Juifs, les Tziganes. Bien sûr qu'il faut avoir tout cela en mémoire. Mais si l'on identifie les victimes, il faut aussi identifier les bourreaux, les complices des bourreaux. Sans quoi, que devient le devoir de vigilance si on perd de vue de qui il faut se méfier, contre qui il faut combattre et avec qui on construit les solidarités qui permettent de triompher du mal. En 1940, j'ai 18 ans. Je suis d'une famille de 4 enfants. Mon père était mort quand j'avais 11 ans. J'étais donc celui qui travaillait. Sans doute étais-je promis à devenir un de vos confrères, mon cher maître Lorac, mais mes études de droit, j'ai dû les interrompre à 12 ans pour devenir maroquinier. Et au lieu d'exercer la profession un jour pour laquelle dont rêvaient mes parents, d'aller défendre la justice devant la barre, j'ai défendu le droit tout au long de ma vie dans les conditions qui sont restées les miennes, celles d'un militant. Donc, nous connaissons les premières lois d'exclusion des Juifs qui bientôt n'auront plus le droit ni d'exercer leur métier, ni même de faire leurs courses pour acheter à manger aux mêmes heures que tout le monde. Ceux qui, parmi les Juifs, sont devenus français entre les deux guerres et qui se sont engagés en 1939 pour la durée de la guerre. J'étais un jeune militant et j'étais assis derrière une table comme celle-là quand j'aidais ces étrangers qui ne dominaient pas la langue française à remplir les formulaires par lesquels ils venaient offrir leur vie à la défense de la République, à la défense de la France pour la durée de la guerre. Et ceux-là ont été exclus avec les autres de la communauté nationale. Bien, les premières arrestations ont donc lieu en 1941. 5 000 Juifs sont visés. Plus de 3 000 vont répondre. Et encore une fois, c'est ceux qui, dès avant la guerre, étaient engagés dans des associations, dans des mouvements, dans des syndicats, chez les scouts, dans les bref, ceux qui avaient l'expérience de la solidarité militante. C'est ceux-là qui ont été les plus nombreux à se soustraire à l'ordre de se présenter sur la convocation de mai 41. Néanmoins, plus de 3 000 vont se présenter. Et ils vont inaugurer les camps de Bonne-la-Rolande et Pithiviers, d'où ils formeront plus tard les premiers convois de la contribution française à la solution finale. Je me sauve, bien que n'étant pas concerné personnellement, je me sauve et je vais à Lyon. Je quitte Paris pour aller à Lyon. À Lyon, j'y retrouve des camarades avec lesquels j'avais milité. On s'y exerce à faire de faux papiers, à trouver des planques pour ceux qui sont recherchés, à solliciter l'argent de ceux qui en avaient plus que nous pour envoyer des colis à ceux qui sont en prison ou pour permettre à ceux qui sont dans la clandestinité de subsister. Bref, des réseaux s'organisent, on a peu l'expérience de la clandestinité. On s'assoit dans des arrière-salles de café où on parle presque librement. Et c'est comme ça qu'un jour de 1943, un trio de canailles de la milice française de Vichy va dénoncer un certain nombre de familles juives à Lyon, dont la mienne. Le 17 août 1943, la Gestapo frappe à ma porte. C'est moi qui suis visé, mais découvrant que nous sommes juifs, ils arrêtent également ma mère et ma jeune sœur de 17 ans. Cette circonstance est évoquée dans un petit livre qui vient de sortir. Nous sommes amenés au siège de la Gestapo,
puis à la célèbre prison du fort Montluc. J'y serai interrogé. La durée moyenne du séjour à Montluc est de 7-8 jours. Je vais y rester plus que 6 semaines, devenant assez vite l'homme de confiance de la baraque des Juifs, c'est-à-dire l'interlocuteur autorisé des gardes chiourmes. Au bout de 6 à 7 semaines, à notre tour, on nous exclut de la prison, ma mère, ma sœur et moi. Monotés, nous allons traverser Lyon en car par les vitres. Nous voyons des hommes et des femmes qui circulent librement et nous nous rendons compte que notre destin est scellé. On va nous amener à la gare de Perrache et de Perrache dans un wagon spécial. On nous dirige sur Paris où, après une nuit de voyage, nous arriverons pour être amenés à Drancy, le camp de la région parisienne d'où partent les Juifs. À Drancy, nous y resterons une petite dizaine de jours. C'est là que je vais avoir 21 ans, qui était l'âge de la majorité à l'époque. Ma jeune sœur vendra ce jour-là son pain contre 4 cigarettes, et c'est le dernier cadeau d'anniversaire qu'elle m'a fait. Le 7 octobre 1943, nous sommes déportés dans la cour de Drancy. Les autobus parisiens, bien alignés, vont faire monter 1000 hommes, femmes, enfants. On nous conduira à la gare de Bobigny, où nous sommes entassés dans les wagons de marchandises. Je ne sais plus si c'était 2 nuits et 3 jours, 3 nuits et 2 jours, bref. Un matin, après avoir traversé la France, l'Allemagne, un bout de la Pologne, nous arrivons au camp d'Auschwitz. Les wagons s'ouvrent et nous découvrons un enfer inconnu, nous sommes sur une autre planète. Les cris, les gredins, les chiens, et puis des fantômes habillés en rayés qui courent autour de nous, tout précipite à nous faire sortir vite des wagons, à abandonner nos valises, à nous ranger par 5, à perdre de vue qui sœur, qui sa femme, qui ses enfants, qui son frère. Et nous passons rapidement devant une sorte de jury composé de plusieurs officiers SS, dont l'un tient une badine et indique à droite, à gauche, à droite. Bientôt nous nous retrouvons sur les 1000, nous sommes 250, 260 peut-être, tous jeunes, d'apparence en bonne santé. Nous perdons de vue nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, que nous ne reverrons plus jamais. Et des camions nous emportent à quelques kilomètres de là, vers un vaste camp dont nous apprendrons bien vite qu'il s'appelle Buna-Monowitz Auschwitz III. Dans le langage hitléro-administratif, ces trois mots vous les disent. Buna, c'est le nom commercial du caoutchouc synthétique que produit la grande firme des produits chimiques IG Farben Industrie. Monowitz, c'est le lieu où est ce camp, dans un village qui avait été évacué de toute sa population, pour y installer cet univers dans lequel désormais nous sommes appelés à accomplir. Auschwitz III, c'est le signe par lequel on rappelle que cet ensemble de Buna-Monowitz et d'un certain nombre de camps annexes constitue désormais une unité autonome qui est la propriété corps et bien, si j'ose dire, de IG Farben, du Trust des produits chimiques allemands. Là, nous sommes déshabillés, rasés, tatoués, répartis dans plusieurs blocs. Tout ça à grande vitesse, tout ça à grands coups de coup de pied, de coups de gourdin. L'os, il faut tout faire vite, tout au pas de course. C'est seulement 2 jours après que nous sortons en commando de travail. Entre-temps, à toutes les questions que nous posaient, mais que sont devenus les autres? Où sont les femmes? Où sont les enfants? Des anciens rayés
vêtus, rayés, squelettiques, nous consigne en levant l'index vers le ciel, et il faudra se rendre compte et admettre l'impossible, invraisemblable, incroyable. Ils sont tous passés par la chambre à gaz d'Auschwitz, leurs corps sont tous passés par les crématoires. Nous apprenons que cela nous concerne en même temps que nous apprenons que cela existe. Et il faut en même temps assurer notre propre survie, c'est-à-dire surmonter, remettre à plus tard le deuil, parce que chaque instant exige de nous une lutte farouche pour échapper au coup, pour comprendre les ordres en allemand, et peu d'entre nous le parlent. Et enfin se passent les deux premiers jours et nous sortons au travail. Alors, l'ouvrier que je suis déjà depuis l'âge de 12 ans, l'ouvrier qui, pour la première fois de sa vie, a adhéré à un syndicat en 1936, a une sorte de révélation. Nous sommes sur un chantier de 50 km carrés, sur lequel se construit un complexe qui devra produire du caoutchouc synthétique et de l'essence synthétique, mais tout au large de cette surface, les enseignes de tous les géants de l'industrie allemande sont là. L'électromécanique, les transports, l'extraction, la construction. Et tout à coup, la révélation que j'ai, c'est que le nazisme n'est pas un phénomène tombé du ciel. Il n'est que le moyen d'exercer par la terreur un pouvoir qui va tenter d'assurer la domination de l'expansionnisme allemand sur le reste de l'Europe. Et c'est cette idée qui va me conduire à toutes les réflexions qui ont succédé ces temps-là. Et je sais que vous aurez des questions à me poser. Mais la première réponse que je vais vous faire avant même que vous m'interrogiez, c'est celle-là. Nous ne sommes pas venus ici vous parler de ces souvenirs pour vous donner des cauchemars et pour vous empêcher de vous lever. Nous venons vous parler pour que demain, les citoyennes et les citoyens que vous êtes en train de devenir se lèveront pour être des hommes et des femmes attachés à des valeurs qui nous sont chères, celles de la fraternité et de la solidarité humaine. Merci. 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 C'est merveilleux d'entendre quelqu'un qui est passé par Auschwitz prononcer les paroles que vous venez d'entendre. Monsieur Pallon a terminé en vous disant d'être vigilant et je vais vous rappeler certaines choses. C'est qu'effectivement, on parle souvent du XXe siècle comme le siècle de totalitarisme et de deux guerres, mais on en parle moins comme le siècle des génocides. Or, il y a eu des génocides, il y en a encore. Les génocides ont fait au XXe siècle plus de morts que les deux guerres. On pourrait dire que les génocides ont une caractéristique, ils ne surviennent jamais dans une démocratie. Ils surviennent le plus souvent à partir de crises économiques. Vous verrez dans les exemples que nous avons choisis dans les témoignages de procès qu'il faut être vigilant tout le temps sur les privations de liberté. En effet, c'est à ça que nous devons veiller, c'est au respect de la démocratie. Donc, en premier, nous allons vous montrer un court extrait d'une cassette pédagogique où on va vous définir, mettre en valeur la notion de crime contre l'humanité et aussi vous rappeler la politique antisémite de Vichy. Ensuite, vous aurez le procès de Nuremberg, un extrait de la déposition de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Elle était journaliste photographe
Et en 1933, elle a photographié la première, le camp de Dachau. Elle savait donc parfaitement à quoi elle s'engageait en devenant résistante. Et elle a été déportée par un convoi célèbre à Auschwitz. Ce convoi était célèbre parce que c'était un convoi de catholiques, de femmes résistantes et d'otages, dans lesquels il y avait notamment Daniel Casanova, il y avait Charlotte Delbo, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Charlotte Delbo. Et elles sont arrivées à Auschwitz, elles sont rentrées dans le camp en chantant la Marseillaise. Elle a été ensuite à Ravensbrück et elle est restée, bien que Ravensbrück ait été libérée, elle a tenu à rester 2 mois de plus tant qu'il y aurait une Française dans le camp qui ne serait pas rapatriée. Donc c'était au prix de sa vie elle-même. Ensuite, elle a fait une carrière politique. Je crois qu'elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale, je crois. Et elle a créé la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et elle est morte en 96. Ils vont maintenant nous amener à ce qui a été la suite donnée à ces horreurs dont vous venez de voir des exemples émouvants. La suite, c'est que l'on a voulu juger. Or, c'est très difficile de juger. Vous avez entendu Maître Henri Leclerc expliquer ce que c'est normalement que la prescription. Quand un crime a été commis et que des années se passent, on dit « bon, maintenant c'est fini ». Le premier procès a été fait sans fondement juridique dans le droit international. Juger des vaincus, leur reprocher les crimes qu'ils ont commis pendant une guerre, c'est quelque chose d'assez particulier. On peut toujours dire « ouais, mais c'est la justice des vainqueurs ». Et ce n'est pas la justice universelle. Pendant que la guerre se terminait, une organisation mondiale nouvelle a été créée sous l'impulsion des vainqueurs de la guerre et notamment du président Roosevelt, président des États-Unis. Cette organisation, qui est l'Organisation des Nations Unies, a voulu donner très vite un soubassement juridique à cette condamnation qui pendant ce temps se faisait au sein du procès de Nuremberg. La Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée ici à Paris le 10 décembre 1948. C'est vous dire que l'expérience dont le procès de Nuremberg a été le couronnement a eu un effet juridique fondamental et qu'aujourd'hui, tous les États membres des Nations Unies sont maintenant 192 et tous ceux qui ont ratifié la Convention sur le génocide, ils sont presque aussi nombreux, se sont engagés à ne plus jamais prescrire, à ne plus jamais pardonner quelque chose qui est l'apparence qu'a eu l'extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis, c'est-à-dire une extermination liée non pas à une situation de guerre où il y a les amis et les ennemis qui se combattent, mais à la détermination d'un gène, c'est-à-dire d'une ethnie, d'un peuple, qui est considéré comme à exterminer, et c'est ça le génocide. Et vous allez, quand vous continuerez vos études d'histoire, puis vos études de droit, vous allez comprendre la spécificité de cette forme de crime, qui n'est pas seulement un crime de guerre, il y en a beaucoup, mais qui est un crime contre l'humanité, puisque c'est cette façon de mettre au banc de l'humanité, une fraction de l'humanité, pour la raison qu'elle appartient à une ethnie, à une religion ou à une culture, c'est ça le génocide, et c'est là-dessus que, heureusement, l'Organisation des Nations Unies, dès après la guerre, 2-3 ans après la fin de la guerre, à jeter les bases qui nous permettent aujourd'hui de détecter là où il se passe des génocides.
et qui permettra à votre génération de veiller à ce que de telles situations ne se présentent plus jamais, et si elles se présentent, à immédiatement pouvoir traduire devant les grands tribunaux internationaux qui ont été peu à peu mis sur place au cours des 60 dernières années, les coupables de ces génocides. Merci. De mes souvenirs, il y a les convois de Hongrie qui, en juin 44, arrivaient nuit et jour. Et je me souviens d'une fois où j'étais en train de les regarder avec une amie, une doctoresse tchèque, et on voyait les trains qui arrivaient, les SS qui faisaient ouvrir les portes, qui faisaient sortir à coups de crosse et avec leurs chiens policiers, les malheureux qui avaient été souvent plusieurs jours enfermés dans les wagons. Alors j'espère que maintenant vous allez avoir des questions à poser. Comme dit mon voisin de droite, que le deuxième commence. Pour vous encourager, hein, pour vous encourager, n'oubliez pas que vous allez préparer un concours et qu'il est bon que vous ayez des réponses à vos questions pour pouvoir les intégrer dans vos copies et devenir ainsi lauréat. À vous la parole. Je voulais demander pourquoi ceux qui n'étaient pas dénoncés, ils cachaient pas leur étoile jaune pour pas être attrapés par la Gestapo. J'ai eu comme ça un échange, un débat, questions-réponses. Et sur la fin, un élève s'est avancé plus près de moi et m'a posé une question qui ressemble à celle-là, sauf que lui, cet élève, avait la peau noire. Il m'a dit, mais pourquoi vous, vous n'avez pas caché que vous étiez juif? La réponse que je lui ai faite, si dans un pays où tu vis, tout à coup, on persécutait les gens de couleur. Est-ce que tu te ferais teindre en blanc ou est-ce que tu combattrais le racisme? Il m'a dit, oui, monsieur, c'est vous qui avez raison. Ben, je crois que je peux faire la même réponse ici. La question n'était pas c'était pas une médaille, c'était une indignité, mais plus prosaïquement, se mettre hors la loi, c'était mettre hors la loi les siens. Comment est-ce que je pouvais passer devant ma concierge sans l'étoile, alors que frères et sœurs et parents portaient l'étoile? Comment est-ce que dans le quartier où j'ai grandi, où tout le monde savait qu'on était juif et qu'est-ce qu'on avait beaucoup de raisons de cacher, hein, dans la République française, la tradition n'est pas de présenter monsieur machin qui est notre collègue juif du quatrième étage. Non. La tradition jacobine, la laïcité de l'État et de la société font que les Français sont égaux, étaient égaux devant la loi et le sont fort heureusement redevenus. Mais néanmoins, ce contexte républicain n'impliquait pas que l'on cache qui on est. Hein. Il n'y avait pas de fierté particulière à être plutôt breton qu'auvergnat, juif que chrétien, mais ce qu'on était, on l'était librement. Et quand on a cessé de l'être librement, il était en tout cas trop tard pour le cacher. Et j'ajouterais de toi à moi, comme ça, qui m'a posé la question, sans que les autres entendent, indigne de le cacher. Voilà, et comme la dignité était une des dernières choses qui nous restait, alors, vous ne voulez pas la lâcher. Voilà. Ben, déjà, je voulais vous féliciter pour votre discours parce que, et votre histoire, monsieur, au costume noir, ça nous a beaucoup émus. Et j'aurais voulu savoir comment, après avoir connu tout ça, après avoir perdu une sœur et une mère, on garde cette envie de vivre et on ne se décourage pas. Et comment, après, on arrive à avoir confiance
en les gens et envie de continuer et devenir ce que vous êtes devenu. C'est une question intéressante. Vous savez, pour continuer à être ce que l'on est, il suffit de ne pas cesser de l'être. Que vous dirais-je? J'ai rappelé tout à l'heure que des dizaines de nations s'étaient engagées dans le combat pour détruire la bête nazie. Au lendemain de la guerre, monsieur l'ambassadeur le rappelait tout à l'heure, était fondée l'Organisation des Nations Unies sur la base d'un document signé par 56 nations, je crois. Elles sont aujourd'hui près de 200. Certes, le statut d'indépendance et de souveraineté n'est pas le même pour toutes, parce que c'est la dialectique de l'existence. Il y a des forts et des plus faibles, des plus riches et des plus pauvres, je dirais pas des plus aptes et des inaptes, c'est absolument faux. Mais il y a des différences de développement, de statut entre les nations. Les hommes qui, comme l'ambassadeur Excel, et tellement plus modestement que moi, travaillent à soutenir, à observer parfois seulement, les avancées humaines. Nous savons que déplacer une virgule dans les conventions internationales, ça demande parfois des années. Quand je regarde les 60 années qui se sont écoulées, je repense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée en 1948 et dont les principaux artisans furent René Cassin, juriste français, l'un des premiers auprès du général de Gaulle au temps de l'occupation allemande. Il y a une convention sur les droits de l'enfant. Il y a une multitude d'accords qui sont intervenus. Il faut combattre pour que ces accords soient appliqués. Mais il est à la portée de personne de faire tourner en arrière la roue de l'histoire. L'honneur de chacun, de chacune, c'est d'appartenir à ceux qui poussent la roue en avant. C'est ce que j'ai modestement essayé d'être. La réponse de mon ami Charles Ballan. Sur le premier point en particulier, en rappelant à quel point pendant ces années, notamment celles qui ont précédé la guerre, nous étions mal renseignés sur ce qu'était le nazisme. Nous pensions que l'Allemagne, qui avait perdu la Première Guerre mondiale, tout naturellement avait besoin de sortir de sa situation d'infériorité. Elle n'avait pas réussi vite à remonter la pente de l'économie. Et voilà que quelqu'un venait. Il avait l'air un peu ridicule, ce Adolf Hitler. Mais enfin, il faisait un effort. Et je me souviens, pour avoir été à l'époque pendant une année en Angleterre, de nombreux amis anglais qui revenaient de Berlin, du voyage, et qui disaient « Ah, c'est formidable ce qui se passe en Allemagne. Vous savez, vraiment, c'est un pays qui est en train de se développer. Ils ont des économistes remarquables. Et vous allez voir, bien sûr, oui, le nazisme, oui, ils disent du mal des juifs, c'est regrettable. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'ils développent l'Allemagne. Nous-mêmes, en France, n'étions-nous pas bien souvent tentés par une bonne partie de la bourgeoisie française de dire, oui, l'ennemi, le vrai danger, c'est le bolchevisme. Et heureusement, il y a là des Allemands qui vont nous défendre contre le bolchevisme. Si je rappelle tout ça, c'est pour dire qu'au fur et à mesure que montait le péril pour nous, et pas seulement pour les Juifs en France, mais pour les Français en général, le péril d'avoir un adversaire et un ennemi impitoyable, nous ne le sentions pas. Il nous a fallu des années et des années pour comprendre à quel point nous étions menacés. Et j'ajoute tout de suite, pour répondre ensuite à la prochaine question qui, je suis sûr, va être posée par une jeune élève ou un jeune élève, j'ajoute tout de suite
que l'exemple dramatique posé par l'Allemagne hitlérienne n'a pas été perdu pour tout le monde. Ce que vous avez entendu de Delarue, qui est passionnant, sur la façon dont s'organise un État totalitaire et un État policier. Combien de ces nouveaux États qui sont parvenus à la réalité internationale au cours des 50 dernières années, combien d'entre eux ont eu des chefs qui se sont dit au fond, oui, le mieux, c'est le parti unique, d'abord, c'est solide, je suis à la tête du parti unique, donc je suis à la tête de l'État. Et puis la sécurité, oui, oui, c'est très important, il nous faut des forces de sécurité. Et essayer de les soumettre à un contrôle démocratique par des magistrats qui ont fait des études de droit et qui vont nous dire que ce que nous faisons n'est pas conforme aux principes fondamentaux du droit. Ouf, c'est dangereux pour notre pouvoir. Par conséquent, non, évitons cela, prenons le bon exemple. Le bon exemple stalinien, le bon exemple hitlérien, le bon exemple totalitaire, ayons des États où le droit n'est plus qu'un annexe du pouvoir. Pourquoi certaines personnes peuvent bénéficier de privilèges ? Pourquoi certaines personnes peuvent bénéficier de privilèges ? Vous voulez savoir quels ont été les privilégiés dans les camps, c'est ça? Oui. Écoutez, toute organisation, même la plus criminelle, est obligée de s'appuyer sur des gens qui acceptent de jouer un rôle de contrôle à l'intérieur de ces endroits terribles qu'ont été les camps. Dans tous les camps que j'ai connus, j'en ai connu quatre, il y a toujours eu soit des capots, soit des Stubenältester ou des Lagerältester, c'est-à-dire des déportés comme moi, mais qui avaient accepté des fonctions de contrôle à l'intérieur du camp et qui bénéficiaient par là même, prenant cette responsabilité lourde de s'occuper de maintenir le bon ordre parmi leurs camarades déportés, privilégiés sur le plan de la nourriture, quelquefois sur le plan d'une circulation plus facile pour eux, de pouvoir ramasser en particulier ce qu'il y avait de mieux, qui était bien peu de choses, mais quand même à l'intérieur des camps. Alors ceux-là, qui étaient-ils? Ils étaient souvent, il faut bien le reconnaître, dans un certain nombre de camps, des prisonniers de droit commun, c'est-à-dire des criminels, auxquels les nazis conféraient ce rôle. Le camp de Dora, par exemple, qui a été le dernier dans lequel je me suis trouvé enfermé, était géré par ce que nous appelions les « verts », c'est-à-dire des déportés qui avaient un triangle vert, qui les désignaient comme criminels de droit commun. Évidemment, la brutalité est un phénomène qui s'exacerbe et s'accumule à l'intérieur d'un univers clos comme le camp. Donc, ils devenaient de plus en plus brutaux. Brutaux entre eux, d'ailleurs, ils s'entre-exterminaient et se dénonçaient pour reprendre un peu plus de pouvoir chacun. Heureusement, dans certains camps, notamment à Buchenwald, ce sont les prisonniers politiques, ceux qui portaient un triangle rouge, qui s'étaient débrouillés au bout d'années d'efforts, difficiles mais persistants, pour se faire attribuer par les SS, la gestion interne du camp. Et je peux vous dire qu'il y a une différence fondamentale pour la vie des déportés entre les camps où les politiques exerçaient les fonctions de privilège et ceux où c'était les droits communs. J'ai moi-même la vie sauvée par des déportés allemands qui avaient donc
le triangle rouge de politique et qui, par une solidarité essentielle pour survivre dans les camps, ont réussi à sauver des vies dont la mienne. C'est dire que ces privilèges, quelquefois, étaient conquis par des luttes et à ce moment-là étaient exercés avec discrétion et avec intelligence et avec humanité. D'autres fois, au contraire, ils étaient la marque d'un pouvoir attribué à des gens qui ne le méritaient pas et qui exaspéraient leur sadisme et leur brutalité. Je profite quand même, mais j'entends d'autres questions qui vont venir, pour vous rappeler, mais vous le savez si vous avez préparé le concours, combien il y a de différences entre les différents camps de déportation en Allemagne. D'abord, leur nombre est effrayant. Il y en a eu plus de 150 répartis dans tout le pays et qui étaient pour l'essentiel, évidemment, des camps de travail. Les Allemands avaient leur force sur les fronts et notamment sur le front russe et par conséquent, on avait besoin de main-d'œuvre. C'était donc souvent des camps de main-d'œuvre esclavagiste, mais bien souvent aussi, c'était des camps de répression, sans même parler de ceux dont vous nous avez en parlé toute la matinée aujourd'hui, qui étaient des camps d'extermination. C'est dire qu'on peut avoir passé par des camps sans avoir subi le type d'horreur et le type de destruction physique que certains d'entre nous ont connu, mais que pour autant, avoir été enfermé dans des camps est une expérience dont il faut mesurer le danger pour l'équilibre de l'esprit humain. Et une des choses qui me fait très peur, c'est que depuis 50 ans, les camps se sont multipliés, pas des camps d'extermination, c'est pas des Auschwitz, c'est même pas des Dora, mais ce sont des camps de réfugiés, des camps où on entasse les gens parce que leur situation est devenue difficile, parce qu'ils sont des opposants, parce qu'ils appartiennent à la mauvaise ethnie. Et il faut se dire que l'expérience historique des déportations pratiquées par les nazis doit nous rendre sensibles à tout ce qui, tout en étant beaucoup moins atroce, s'en rapproche à certains égards et fait de la vie sur cette planète quelque chose qui est aujourd'hui plus en danger, plus difficile que ça ne devrait être le cas et qu'il vous appartient à votre génération de faire tout ce que vous pouvez pour qu'il n'y ait plus de totalitarisme. Car on a déjà dit que dans les démocraties, quand ce sont de vraies démocraties, il n'y a pas de camp de concentration. Et je vous rappelle un certain Emmanuel Kant, c'est un grand philosophe allemand, qui dans un traité sur la paix perpétuelle a dit « Lorsqu'il y aura partout des républiques, il n'y aura plus de guerre et il n'y aura plus de torture. » Bonjour monsieur, est-ce que pendant votre parcours vous avez réussi à nouer des liens avec un Allemand qui était contre le pouvoir et si oui, est-ce que vous l'avez revu après? Alors, oui, en ce qui me concerne, puisque ma vie a été sauvée grâce à au moins deux Allemands, je les ai naturellement revus après la guerre. Ils étaient des déportés comme moi, ils étaient à Buchenwald depuis très longtemps, ils avaient réussi à occuper des positions à force de travail auprès d'un médecin SS. Ce médecin SS s'est laissé convaincre au mois de septembre 1944 qu'étant donné qu'il avait pratiqué des expériences sur des criminels, il allait passer un très mauvais moment après la guerre, si la guerre était perdue, et qu'il avait le sentiment qu'elle était en train d'être perdue,
Il a donc accepté de monter, de nous laisser monter un complot par lequel j'ai pris l'identité d'un jeune Français qui venait de mourir du typhus et dont le corps a été envoyé au crématoire sous mon identité, de sorte que je possède mon acte de décès. Ça peut être utile dans certaines circonstances, mais il ne faut pas en abuser. Alors, celui qui a organisé ce complot est un homme que je vous signale. Il s'appelle Eugen Kogon, K-O-G-O-N, et il a écrit un des meilleurs livres qui s'appelle « L'État SS ». Il a réfléchi en effet à une des questions que nous nous posons tous. Il a dit « Comment a-t-il été possible de faire vivre en Allemagne, pays d'ancienne culture, cette horreur qu'a été la SS et l'État SS, dont, je dois dire, notre collègue de la rue vous a donné tout à l'heure une admirable description. Eh bien, le livre de Kogon indique combien il est facile de jeter dans le mépris et la haine une catégorie d'une population. C'est ce qui est arrivé par exemple au Rwanda, où l'une des ethnies a déconsidéré l'autre comme étant des hommes de deuxième, troisième ou quatrième catégorie. À partir du moment où on fait cela, il devient possible, pas forcément facile, mais quand même possible, de susciter un tel rejet, un tel mépris d'une partie de l'humanité, que quoi qu'on leur fasse, qu'on les fusille, qu'on les mette en prison, qu'on leur fasse faire des travaux, ça n'a pas d'importance, ils sont une moindre humanité. C'est excessivement dangereux. Et lorsque ça se produit aujourd'hui encore dans certains pays, nous devons très vite être vigilants et dire attention, commencer à traiter une partie de la population avec mépris, c'est laisser monter les horreurs contre lesquelles nous avons essayé, nous, de nous défendre. Je m'appelle Paris, je viens du collège Jean-Pierre au 20e arrondissement, et ma question est la suivante. Que pensez-vous du néo-nazisme ? Si vous voulez, je suis heureux de répondre à cette question. En même temps, comme l'heure tourne, je vais peut-être enchaîner sur ma réponse quelque chose qui pourrait être, hélas, il faut bien le temps tourne, une clôture plus générale, puisque vous avez eu la gentillesse de m'appeler à la présidence, j'en profite lâchement pour parler encore un peu. Que faut-il penser du néonazisme ? D'abord, il ne faut malheureusement pas s'en étonner. Il faut s'en scandaliser, bien entendu. Il faut montrer tout ce que cela a d'insupportable. Mais il faut se dire aussi que dans l'évolution des mentalités humaines, il y a toujours une tentation de se situer du côté de ceux qui ne pensent pas comme les autres et qui trouvent qu'il y a du bien, même dans quelque chose que les autres condamnent. Ça fait partie aussi de la nature humaine et de l'évolution des mentalités. Et c'est cela qui le rend tellement dangereux. Si on pouvait dire qu'il n'y a que quelques fous ou quelques imbéciles ou quelques crétins qui veulent encore se souvenir de façon positive du nazisme, on pourrait s'endormir là-dessus. Mais non, il y a chez ceux qui ne sont pas satisfaits de la façon dont évolue la société autour d'eux, il y a toujours une tentation de s'accrocher à quelque chose qui soit aussi distant que possible de ce qui est proclamé officiellement pour dire « Ah ben nous on est autrement et nous on pense
à des choses qui ont eu leur heure de gloire, puisqu'il y a eu ces dirigeants formidables nazis qui ont conquis les trois quarts de l'Europe. Alors, ne nous étonnons pas, soyons vigilants, dénonçons, dès que nous voyons apparaître un néo-nazi ou un négationniste, ce qui est à peu près la même chose, ou quelqu'un qui, comme M. Le Pen, parle de l'occupation allemande comme d'un moment plutôt agréable, eh bien, soyons très vigilants, ne les prenons pas pour des imbéciles ou pour des gens à négliger, mais au contraire, voyons, si possible, discutons avec eux, si possible, montrons-leur des exemples de ce que le nazisme a fait d'affreux. C'est une tâche à laquelle il est important de contribuer. Et maintenant, peut-être, si vous permettez, une dernière ensemble de considérations sur ce concours que vous allez préparer. Cette année, le concours a pris un sujet lourd, un sujet dramatique, mais il l'a pris aussi avec une perspective sur la situation actuelle du monde. Il ne s'agit pas seulement de se demander comment les camps ont été possibles, comment il a été possible même après la libération de ces camps de commencer à les oublier un peu, de n'y plus penser, ce qui est évidemment grave. Mais il s'agit aussi de se dire que cet exemple d'inhumanité dramatique n'a pas perdu malheureusement son existence sur notre planète et que nous avons vu se succéder au cours des 60 dernières années des situations dont aucune n'est vraiment comparable exactement aux horreurs que vous avez vues aujourd'hui, mais qui toutes contiennent en elles un élément de destruction des droits de l'homme et de l'humanité sur laquelle il faut réfléchir. Est-ce que les droits de l'homme, les droits de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les enfants, sont aujourd'hui suffisamment protégés et est-ce que nous ne risquons pas, sous des formes diverses, de voir se pratiquer ces crimes que nous avons essayé de dénoncer? Renforçons donc le droit humanitaire mondial. Et je vous le dis en toute simplicité, ce qui se passe aujourd'hui en Irak est loin d'être acceptable, non seulement parce que cette guerre a été déclarée sans tenir compte de la communauté internationale et de la volonté du Conseil de sécurité qui est là pour garantir la paix dans le monde, mais parce qu'elle a été conduite avec des dérapages qui sont insupportables pour la conscience de tous ceux, aussi bien de nos grands amis américains qui le constatent avec le même effroi que nous, que pour toutes les nations du monde qui devraient rester fidèles à la Charte des Nations Unies dont nous allons bientôt célébrer le 60e anniversaire et qui doit rester le guide des valeurs fondamentales sur laquelle est construite la planète, qui est notre seul lieu de vie et dont nous sommes collectivement responsables. Merci.